Alors, donc on a Maître de Chapelle de Norn qui a un coût de 5 mana dont 2 blancs. Elle a 5 d'attaque, 4 de vie, vol et initiative. À chaque fois qu'un commandant que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille ou attaque, proliférez, choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. Décret de Norn, coût de 3 mana dont 1 blanc. C'est un enchantement. À chaque fois qu'au moins une créature qu'un adversaire contrôle vous inflige des blessures de combat, cet adversaire gagne un marqueur poison. À chaque fois qu'un joueur attaque, si au moins un joueur qui est attaqué est empoisonné, le joueur attaquant pioche une carte. Ok, recrutement de guette. Coût de 4 mana dont 2 noirs, c'est un rituel renvoyé jusqu'à une carte de créature ciblée depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Et corrompu pour chaque adversaire qui a au moins 3 marqueurs poison au moment où vous lancez ce sort, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle jusqu'à une carte de créature ciblée depuis le cimetière de ce joueur. Flambée de Phyrésie, coût de 3 mana dont 1 noir, rituel encore. Chaque adversaire gagne un marqueur poison, puis chaque créature que vos adversaires contrôlent gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour pour chaque marqueur poison que son contrôleur a. Greffeur de polluant, coût de 5 mana dont 1 vert, c'est une créature, alors elle a 5 d'attaque, 5 de vie et piétinement est toxique pour 1. A chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à au moins un joueur proliféré. Corrompu au début de votre étape de fin, si un adversaire a au moins 3 marqueurs poison, piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Récupérateur de glissa, coût de 6 mana dont 1 vert, elle a 6 d'attaque, 6 de vie et célérité est toxique pour 3. Les joueurs qui subissent des blessures de combat de cette créature gagnent aussi 3 marqueurs poison, ok. Le récupérateur de glissa ne peut pas être bloqué par les créatures de force inférieure ou égale à 2 et corrompu. Quand le récupérateur de glissa meurt, exilez-le. Quand vous faites ainsi, renvoyez dans votre main jusqu'à X cartes ciblées depuis votre cimetière, X étant le nombre d'adversaires qui ont au moins 3 marqueurs poison. Tremblement de givre, coût de 6 mana dont 2 verts, c'est un rituel. Corrompu, créer un jeton de créature XX vert, Phyrexian et givre avec le piétinement et toxique pour 1. X étant la quantité de mana dépensée pour lancer ce sort, puis chaque adversaire avec au moins 3 marqueurs poison. Puis pour chaque adversaire avec, avec au moins 3 marqueurs poison, vous créez un autre de ces jetons. Et flashback pour 10 mana, oulala, dont 2 verts, vous pouvez lancer cette carte depuis votre cimetière pour son coup de flashback, exilez-la ensuite. Sphère luisante, coût de 3 mana, un artefact, elle arrive sur le champ de bataille engagé, et quand elle arrive sur le champ de bataille proliféré, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, corrompu, engagé, ajoutez 3 mana d'une seule couleur de votre choix, n'activez que si un adversaire a au moins 3 marqueurs poison. Fumigation, coût de 5 mana dont 2 blancs à rituel. Détruisez toutes les créatures, vous gagnez un point de vie pour chaque créature détruite de cette manière. Ah, c'est radical. Annexe de Norn, coût de 5 mana dont... alors, 2... alors, c'est 2 qui pouvaient être peut-être blancs, c'est-à-dire... je sais pas comment... c'est du Phyrexian. Peut-être payé au choix avec mana blanc ou 2 points de vie, voilà. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer ou attaquer des Planeswalkers que vous contrôlez à moins que leur contrôleur ne paye donc ce coût de mana blanc ou 2 points de vie, pour chacune de ces créatures. Renaissance Phyrexiante, coût de 6 mana dont 2 blancs, c'est un rituel, détruisez toutes les créatures, puis créez un jeton de créatures artefacts XX, incolore Phyrexian et Aurore, X étant le nombre de créatures détruites de cette manière. Musnée des Vents, coût de 4 mana dont 1 blanc, à 2 d'attaque, 3 de vie et vol. Les créatures que ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 mana pour chaque créature qu'il contrôle qui vous attaque. Ça, c'est plutôt intéressant. Vérité douloureuse, coût de 3 mana dont 1 noir. Convergence, vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie, X étant le nombre de couleurs de mana dépensées pour lancer ce sort. Seigneur des Saints, Phyrexian, coût de 6 mana dont 2 verts, la 4 d'attaque, 4 de vie. Infection, cette créature inflige des blessures aux autres créatures sous la forme de marqueur -1/-1 et aux joueurs sous la forme de marqueur poison. Au début de votre entretien, créez un jeton de créature 1-1 verte, Phyrexian et insecte avec l'infection pour chaque marqueur poison que vos adversaires ont. Limon Nécrophage, coût de 2 mana dont 1 vert, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, et alors pour 1 mana vert, exilez une carte ciblée depuis un cimetière. Si c'était une carte de créature, mettez un marqueur +1/+1 sur le Limon Nécrophage et vous gagnez 1 point de vie. Rituel Sacrificiel, coût de 4 mana dont 1 noir et 1 vert. C'est un rituel, détruisez chaque permanent non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2. Ajoutez un mana noir ou vert pour chaque permanent détruit de cette manière. Expulsion impitoyable, coût de 6 mana dont 1 blanc et 1 noir, c'est un rituel, choisissez. Soit exilez tous les artefacts, soit exilez toutes les créatures, soit exilez tous les enchantements, soit exilez tous les Planeswalkers. Ok, lanterne chromatique, coût de 3 mana, c'est un artefact. Les terrains que vous contrôlez ont engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Et engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, voilà. Ok, prison fantomale, coût de 3 mana, dont 1 blanc. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer à moins que leur contrôleur ne paye 2 mana pour chaque créature qu'il contrôle qui vous attaque. Apparition reconnaissante. Alors, elle a un coût de 2 mana dont 1 blanc. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie et vol. A chaque fois que l'apparition reconnaissante inflige des blessures de combat à un joueur ou à un Planeswalker, proliférez. Choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. On va continuer. Hop.
Cranoglodyte biliaire, coup de 1 mana noir, elle a 1 d'attaque, 1 de vie, contact mortel, toxique pour 1. Les joueurs qui subissent des blessures de combat de cette créature gagnent aussi un marqueur poison. Rat au ventre de la peste, qui a un coup de 2 mana dont 1 noir, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, toxique pour 1. Et quand le rat au ventre de la peste meurt, proliférez, choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun d'autres marqueurs de chaque sorte déjà présente. Retour au pays, coup de 1 mana blanc, c'est un éphémère, exilé une créature ciblée, son contrôleur gagne un nombre de points de vie égal à sa force. Caresse de Phyrexia, coup de 5 mana dont 2 noirs, un rituel. Un joueur ciblé pioche 3 cartes, perd 3 points de vie et gagne 3 marqueurs poison. Rat de Sani, coup de 3 mana dont 2 noirs, là, 2 d'attaque, 1 de vie, infection. Cette créature inflige des blessures aux créatures sous la forme de marqueurs -1/-1 et aux joueurs sous la forme de marqueurs poison. Quand les rats de Sani arrivent sur le champ de bataille, chaque joueur gagne un marqueur poison. Ok, allez, on continue. Nourrir l'infection, coup de 4 mana dont 1 noir, c'est un rituel où piochez 3 cartes et vous perdez 3 points de vie corrompus. Chaque adversaire qui a au moins 3 marqueurs poison perd 3 points de vie. Chuchotement nocturne, coup de 2 mana dont 1 noir, c'est un rituel où piochez 2 cartes et vous perdez 2 points de vie. Piqueur de peste, coup de 2 mana dont 1 noir, elle a 1 d'attaque, 1 de vie et vol. Et infection, cette créature inflige des blessures aux créatures de la forme, sous la forme de marqueurs -1/-1 et aux joueurs sous la forme de marqueurs poison. Enquête infectieuse, coup de 3 mana dont 1 noir, c'est un rituel, vous piochez 2 cartes et vous perdez 2 points de vie, chaque adversaire gagne un marqueur poison. Siphonneur pestiféré, coup de 2 mana dont 1 noir, elle a 1 d'attaque, 1 de vie et vol. Toxique pour 1, les joueurs qui subissent des blessures de combat de cette créature gagnent aussi un marqueur poison. Réveiller la bête, coup de 3 mana dont 1 vert, détruisez un permanent ciblé, son contrôleur crée un jeton de créature 3-3 verte bête. Mamba du fléau, coup de 2 mana dont 1 vert, là, 1 d'attaque, 1 de vie et fin infection. Cette créature inflige des blessures aux créatures sous la forme de marqueur -1/-1 et aux joueurs sous la forme de marqueur poison. Pour 2 mana dont 1 vert, régénérez le Mamba du fléau. La prochaine fois que cette créature devra être détruite à la place, engagez-la. Retirez-la du combat et retirez-lui toutes ses blessures. Appel au charognard, coup de 4 mana dont 1 vert. Alors, c'est un éphémère, créez 2 jetons de créatures 1 verte, phyrexion et insecte avec l'infection. Il inflige des blessures aux créatures sous la forme de marqueur -1/-1 et aux joueurs sous la forme de poison. De la forme de marqueur poison. Culture, coup de 3 mana dont 1 vert. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base. Révélez ces cartes, mettez-en une sur le champ de bataille engagé et l'autre dans votre main, puis mélangez. Sage de l'évolution, coup de 3 mana, dont 1 vert. La 3 d'attaque, 2 de vie et touche terre. Chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle proliféré, choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. Fielleux de mycosynthèse, coup de 3 mana, dont 1 vert. La 2 d'attaque, 2 de vie et gagne +1/+1 pour chaque marqueur poison que vos adversaires ont. Ah, ça peut être intéressant. Réanimation délétère, alors coup de. Donc, soit un mana vert, soit 2 points de vie. Mettez une carte ciblée depuis un cimetière au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Émergence de la cuve, coup de 5 mana dont 1 noir. C'est un rituel. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière proliférée. Choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. Corrupteur Viridian, coup de 3 mana dont 2 verts. Elle a 2 d'attaque, 2 de vie. Infection, cette créature affiche des blessures de combat aux autres créatures sous la forme de marqueur -1/-1 et aux joueurs sous la forme de marqueur poison. Quand le corrupteur Viridian arrive sur le champ de bataille, détruisez un artefact ciblé. Chute de Vraska, coup de 3 mana dont 1 noir. Chaque adversaire sacrifie une créature ou un planète sous le cœur et gagne un marqueur poison. Reboisement de Moiselière, coup de 5 mana dont 1 noir et 1 vert. Chaque fois qu'une créature que vous contrôlez meurt, vous gagnez 1 point de vie et vous piochez une carte. Mortification, coup de 3 mana dont 1 blanc et 1 noir. C'est un éphémère, détruisez une cible créature ou enchantement. Putréfié, coup de 3 mana dont 1 noir et 1 vert, détruisez une cible, artefact ou créature, elle ne peut pas être régénérée. Cachet d'ésotérisme, coup de 2 mana, c'est un artefact, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité, couleur de votre commandant. Sphère du commandant, coup de 3 mana, engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité, de couleur de votre commandant, sacrifiez la sphère du commandant, piochez une carte. Boucle de contagion, coup de 2 mana. Quand elle arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur -1/-1 sur une créature ciblée pour 4 mana engagés. Proliférez, choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présent. Pierre de Guermont, coup de 2 mana, c'est un artefact. Engagez, ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un terrain qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Cachet de Golgari, coup de 2 mana, c'est un artefact. Pour un mana engagé, ajoutez un mana noir et vert, et un mana vert, les deux en même temps. Exosquelette greffé, coup de 4 mana, c'est un artefact équipement. La créature équipée gagne +2/+2 et à l'infection, elle inflige des blessures aux créatures sous la forme de -1/-1 et aux joueurs sous la forme de marqueur poison. À chaque fois que l'exosquelette greffé devient détaché d'un permanent, sacrifiez ce permanent équipement pour un coup de 2 mana.
Myr Sanigriffe coûte 2 mana. Alors, c'est une créature artefact. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie et infection. Donc, et à chaque fois que le Myr Sanigriffe, pardon, devient bloqué, il gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Myr de Pest coûte 2 mana. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie et elle a infection. Et engagé, ajoutez 1 à votre réserve. Anneau solaire pour 1 mana. Engagé, ajoutez 2 à votre réserve. Botte de pionnier pour 2 mana. La créature équipée à la traversée des terrains non base, elle ne peut pas être bloquée tant que le joueur défenseur contrôle au moins un terrain non base. Équipement pour 2 mana. Chancreflore coûte 2 mana dans un verre, la 3 d'attaque, 2 de vie. Et pour 1 mana, sacrifier le chancreflore, choisissez. Soit on détruit un artefact ciblé, soit on détruit un enchantement ciblé, soit on proliférer. Choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. Extension de la sphère, coût de 4 mana, dont un vert. C'est un rituel, regardez les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez jusqu'à 2 cartes de terrain parmi elles sur le champ de bataille engagé et le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Si vous mettez moins de 2 terrains dans le champ de bataille, sur le champ de bataille de cette manière, proliférez un nombre de fois égal à la différence, choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. Assaut délétère, coût de 5 mana dont 2 verts, c'est un rituel, les créatures que vous contrôlez gagnent +2/+2 jusqu'à la fin du tour. A chaque fois qu'une créature bloque ce tour-ci, son contrôleur gagne un marqueur poison. Restauration surnaturelle, coût de 2 mana dont 1 vert, c'est un rituel, renvoyez une carte de permanent ciblée depuis votre cimetière dans votre main et proliférez. Brutaliseur venimeux, coût de 4 mana dont 2 verts, la 4 d'attaque, 4 de vie toxique pour 3. Les joueurs qui subissent des blessures de combat de cette créature gagnent aussi 3 marqueurs poison. Quand le brutaliseur venimeux arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 2 mana dans un verre. Si vous faites ainsi proliférer, choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. Convertimir, coût de 2 mana. C'est une créature artefact qui a 2 d'attaque, 1 de vie, toxique pour 1. Les joueurs qui subissent des blessures de combat de cette créature gagnent aussi un marqueur poison. Engagez, payez 2 points de vie, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Oh, il en reste une. Atlas Firexian, coût de 3 mana, c'est un artefact engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. Corrompu, à chaque fois que l'Atlas Firexian devient engagé, chaque adversaire qui a au moins 3 marqueurs poison perd 1 point de vie. Donc ça, c'était toutes les cartes. On va aller voir les terrains. Alors forcément, il y aura du terrain blanc, des plaines, forcément c'est logique, des marais, puisqu'il y a du noir, et aussi des forêts, comme vous pouvez le voir. Ça, ça me paraît logique, vu que c'est un deck multicolore. Et après, on a pas mal de petits terrains d'ajustement. Bois souillé, engagé, ajouté à votre réserve. Et engagé, ajouté un mana noir ou vert, n'activé que si vous contrôlez au moins un marais. Citadelle de la steppe de sable. La citadelle de la steppe de sable arrive sur le champ de bataille. Engagé, ajouté un mana blanc, noir ou vert. Champ souillé, engagé, ajouté un 1 à votre réserve. Ou engagé, ajouté un mana blanc ou noir, n'activé que si vous contrôlez un marais. Marécage de Bojuka, il arrive sur champ de bataille engagé. Quand il arrive sur champ de bataille, exilez le cimetière d'un joueur ciblé, engagé, ajoutez un mana noir. Tour de commandement. Engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité de couleur de votre commandant. Aurée de la Crozia, elle arrive sur champ de bataille engagé, ajoutez un à votre réserve. Et pour 2 mana engagés, sacrifiez l'Aurée de la Crozia. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de forêt et une carte de plaine, mettez-les sur champ de bataille engagé, puis mélangez. Paysage myriadaire, il arrive sur champ de bataille engagé, ajoutez à votre réserve. Pour 2 mana engagés, sacrifiez le paysage myriadaire. Cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base qui partagent un type de terrain. Mettez-les sur champ de bataille engagé, puis mélangez. Voie de l'ascendance, il arrive sur champ de bataille engagé. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix et d'identité couleur de votre commandant. Quand ce mana est dépensé pour lancer un sort de créature qui partage un type de créature avec votre commandant, regarde 1. Vue de la canopée. Elle arrive sur le champ de bataille engagé à moins que vous ne contrôliez au moins 2 terrains de base. Engagé, ajoutez un mana vert ou blanc. Verger exotique, engagé, ajoutez un mana de la couleur de votre choix qu'un adversaire contrôle pourrait produire. Village fortifié, au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte de forêt ou de plaine de votre main. Si vous ne le faites pas, le village fortifié arrive sur le champ de bataille engagé. Engagé, ajoutez un mana vert ou blanc. Bastion de Karn, engagé, ajoutez un à votre réserve. Pour 4 manas engagés, proliférez. Choisissez n'importe quel nombre de permanents et ou de joueurs, puis donnez-leur à chacun un autre marqueur de chaque sorte déjà présente. Lassif Nécrofleur. Au moment où il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte de marais ou de forêt de votre main. Si vous ne le faites pas, le Lassif Nécrofleur arrive sur le champ de bataille engagé. Engagé, ajoutez un mana noir ou vert. Lassif Luminombre. Au moment où le Lassif Luminombre arrive sur le champ de bataille, vous pouvez révéler une carte de marais ou de plaine de votre main. Si vous ne le faites pas, le Lassif Luminombre arrive sur le champ de bataille engagé. Engagé, ajoutez un mana blanc ou noir. Prairie de Solherbe, pour un mana engagé, ajoutez un mana vert et blanc. Alors on arrive vers la fin. Temple de la Maladie, il arrive sur champ de bataille engagé. Quand il arrive sur champ de bataille, regardez un, ajoutez engagé, ajoutez un mana noir ou vert. Temple de la Profusion, il arrive sur champ de bataille engagé. Et quand il arrive sur champ de bataille, regardez un, engagé, ajoutez un mana vert ou blanc.
Et le temple du silence, il arrive sur le champ de bataille engagé. Quand il arrive sur le champ de bataille, regarde 1. Engagé, ajoutez un mana blanc ou noir. Voilà les amis, c'était la présentation, l'ouverture à la présentation de toutes les cartes du deck commander tous Phyrexian, le deck Influence Corruptrice, qui était à base blanc, noir ou vert. Voilà les amis, bah écoutez, je vous donne rendez-vous pour la vidéo d'analyse et de stats de cette ouverture avec le nombre de cartes obtenues, les cotations. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.